Vous entendez sur le stream ou pas? Pouvez le dire dans le chat. Alors je vais essayer avec le micro par défaut. Ok, bon, bah alors si le son passe bien, c'est nickel. Vous connecterez sur votre compte Google si vous voulez chatter directement avec ce PC. Voilà. Normalement, au moins vous avez le retour de chat, mais vous connecterez sur votre compte Google si vous voulez chatter directement avec ce PC. Voilà. Normalement, au moins vous avez le retour de chat, mais vous connecterez sur votre compte Google si vous voulez chatter directement avec ce PC. Voilà. Normalement, au moins vous avez le retour de chat, mais Le lien, il est sur le Yammer Hub. Normalement dans Hub, voilà. Mais après, vous avez le retour du chat. Vous pouvez rester sociaux et on peut interagir entre nous. Le lien, devez le voir, vous connaissez tous les chats. Après, sinon, vous pouvez vous mettre dans votre coin. Mais après, avec votre truc, vous pouvez rester sociaux et on peut interagir entre nous. Allez, il est écart, on va démarrer. Après, sinon, vous pouvez vous mettre dans votre coin. Mais après, avec votre truc, vous pouvez rester sociaux et on peut interagir entre nous. Allez, il est écart, on va démarrer. Alors on est parti, bienvenue dans cette première journée de Unity Week. Pour faire un petit retour historique, on a déjà créé ce type de session l'année dernière. Le but c'était surtout d'orienter la Unity Week après la Unite Europe. Donc pour info, la Unite Europe cette année aura lieu fin juin. Et c'est globalement la messe de tout ce qui va se faire sur Unity pendant 3 jours. L'an dernier elle avait eu lieu fin mai, et donc après coup, on avait fait une semaine de formation pour revenir sur toutes les nouveautés de Unity. La thématique de cette année, ça va être le fil directeur de créer un jeu vidéo 2D avec un moteur 3D. On va dérouler tout le long de la semaine pas mal de choses. Et je vous le fais très très vite. Le premier jour, aujourd'hui, on va s'initier en quelque sorte et regarder comment on fait de la 2D avec un moteur 3D, ce qui est quand même un peu bizarre. Deuxième jour, on va regarder comment optimiser tout ça. On va avoir un intervenant de 5e année qui est un peu un master là-dedans, qui va venir nous expliquer ça. Troisième jour, on va voir comment on fait des animations pour éviter d'avoir un bonhomme qui slide directement et avoir un bonhomme qui bouge vraiment ses jambes, ça peut être sympa. Quatrième journée, on va regarder pour faire même de la réalité augmentée, pourquoi pas en 2D,
Ça peut être super sympa, ou même de la réalité virtuelle en 2D, voir comment faire tout ça. Et dernier jour, il n'y aura pas de conférence diffusée, mais il y aura surtout il y aura surtout, on va dire, la finalisation des projets, des échanges par rapport à tout ça, et comment on peut aller plus loin. Voilà. On va démarrer tout de suite. Aujourd'hui, ça va se diviser en trois parties principales. Je pense que ça devrait durer 1 heure et quart, 1 heure et demie. Donc à midi, vous pourrez aller manger tranquillou. Premièrement, je vais vous faire une session d'initiation pour ceux qui n'ont jamais fait de Unity. Il y en a là qui n'ont jamais fait de Unity? Ok. Je vais vous faire une session d'initiation de 15-20 minutes en essayant d'être le plus vulgarisé possible. Si sur le chat vous avez besoin, pas de soucis, vous n'hésitez pas à dire des choses que vous ne comprenez pas ou des notions que vous avez envie d'aborder. Ensuite, on va mettre une vidéo YouTube d'une vingtaine de minutes qui va vous expliquer comment on fait de la 2D parallaxe en Unity. Parallaxe, no stress, vous allez comprendre ce que c'est tout de suite. Troisième et dernière partie de la matinée, donc nos deux responsables du pôle game à Epitech Toulouse, donc Robin et Julien, vont vous faire une petite mise en application de 15-20 minutes de ce qu'on peut faire justement avec cette 2D sur Unity. Le but est super simple. Généralement, vous êtes en première ou deuxième année, quelques troisième années, s'il y en a qui ne font pas grand-chose en stage, mais ça m'étonnerait, et qui regardent ça depuis leur stage. Le but est simple, pour les premières années, c'est vous faire découvrir, ou en tout cas approfondir Unity. Pourquoi pas pour chercher un stage là-dedans? Si vous avez déjà la compétence, c'est pas mal recherché. Et deuxièmement, pour les deuxièmes années, ben pourquoi pas chercher enfin, plus tard un part-time là-dedans. Je vais vous ouvrir Unity. Hop. Pour faire un petit retour historique, à la base Unity, personnellement j'ai commencé en 2013. C'était fait surtout à la base pour le jeu vidéo et pour faire des jeux vidéo super simplement. Ce qui est relativement sympa, c'est que les entreprises, dans le monde actuel, on va dire les grandes entreprises qui ont envie d'utiliser le gros mot de digitalisation, se sont dit, ok, ça serait cool qu'on puisse faire des prototypes rapides ou des choses comme ça, des choses que l'on puisse faire en quelques semaines au lieu de quelques années et qui nous coûtent plus grand-chose plutôt que nous coûter des centaines de milliers d'euros. Donc du coup, ils ont vu que Unity apparaissait et au fur et à mesure, ils se le sont approprié et on est arrivé d'un outil de développement de jeux vidéo à un outil de prototypage, alors je ne vais pas dire industriel, mais en tout cas, un outil de recherche et développement, on va dire même de pré-recherche et développement, pour permettre à des ingénieurs, en travaillant avec des développeurs, de pouvoir mettre en musique leurs idées folles en quelques semaines, plutôt que de payer un prestataire et de faire ça sur du long terme. Je vois Thomas qui demande si, il y aurait un replay pour les étudiants. Oui, tout ce qui est en train d'être enregistré maintenant sera directement disponible en replay, j'ai envie de dire 20 minutes après la fin de la vidéo. Donc vous pourrez le revoir chez vous pour ceux qui sont en piscine de synthèse. Alors, Unity, si vous avez des questions, vous interrompez, je redirai les questions, il n'y a aucun souci. Unity, voyez ça comme un méga gros bac à sable. Ou comme une méga grosse boîte de Lego. L'interface que vous avez devant, en fait, elle va se diviser en plusieurs parties. On va dire la partie de droite ici, qui sert de boîte à outils. Boîte à outils, c'est typiquement, vous allez à Leroy Merlin, vous allez acheter des tournevis, vous allez acheter des vis, vous allez acheter des scies, vous allez acheter du bois, et vous allez tout mettre dans votre garage. Cette partie-là, c'est votre garage. C'est ce qu'on appelle le projet. Okay? Ensuite, dans votre garage, là, on dit que vous êtes en train de travailler sur un meuble et de restaurer un meuble. Typiquement, vous allez travailler sur ce meuble en particulier, vous allez avoir besoin de tel bois en particulier, de telle peinture en particulier, de telle chose. C'est ce que l'on appelle ici, au milieu, la scène. Donc, vous allez avoir votre garage qui va contenir tout, 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 tout. Et ensuite, vous allez pouvoir travailler sur une scène, l'enregistrer. Puis après être passé à un meuble, vous allez vouloir réparer votre voiture, vous allez créer une scène voiture. Puis ensuite, vous allez créer une scène, je ne sais rien moi, nettoyer le vélo ou un truc comme ça. À chaque fois, vous allez avoir une scène sur laquelle vous travaillez et vous allez avoir votre garage sur la droite dans lequel vous allez avoir tout votre matériel. Ok? C'est bon jusque-là? Sur la gauche, vous avez, on va dire, la visualisation 3D de la scène. Et ensuite, en bas, lorsque vous allez appuyer sur Play, ce qui est super bien avec Unity, c'est que vous allez pouvoir tester en temps réel ce que vous faites. Vous allez appuyer sur le Play en haut et vous allez avoir votre scène qui va se lancer. D'accord? Alors, Unity est un moteur 3D. 3D, on va passer rapidement dessus. Jusqu'à maintenant, au lycée, vous aviez l'habitude des XY. Ben, 3D, vous rajoutez l'axe Z. Vous allez rajouter la profondeur. Le paradoxe avec ce qu'on va faire pendant toute cette semaine, c'est que vous allez faire un jeu avec du X et du Y, tout en prenant en compte la notion de profondeur. Typiquement, vous l'avez sûrement vu à l'époque sur Angry Birds ou des choses comme ça.
Vous allez mettre différentes couches sur l'axe Z à cet endroit, à cet endroit, à cet endroit. Typiquement, on va mettre de l'herbe, des montagnes et des nuages. Et vous allez avoir un décor qui bouge pas du tout à la même vitesse. Ce qu'on appelle le parallaxe, c'est ça, pour caricaturer la chose. Vous avez aussi cet effet qui est parfois fait sur des sites web. Vous avez des sites web où vous pouvez scroller et vous allez avoir des images qui vont à plus ou moins la même vitesse. Quelqu'un, pourquoi pas, avec souvent avec des pubs pour les applications, une main qui sort rapidement sur la première page. Voilà. Là aussi, ce sont des effets de parallaxe. Alors, en termes d'initiation, vous allez pouvoir, dans votre scène, rajouter des outils. Enfin, rajouter des objets. Typiquement, je vais créer un cube. Si vous voulez le faire en même temps, vous pouvez le faire en même temps. Sinon, vous écoutez et après, vous essayerez de manipuler. L'après-midi est consacré uniquement à de la manipulation et nous, on tourne pour vous aider. D'accord? On va créer un objet 3D. On va se faire un cube. Voilà. Donc là, on a un cube qui apparaît. Vous allez apprendre à vous servir de la souris pour vous déplacer autour du cube. Ce cube, je peux le déplacer. Hein. Suivant l'axe, vous avez là-haut le Y, X et Z. Alors, un petit moyen pour vous rappeler à chaque fois, vous faites X, Y et Z avec vous-même, d'accord? X, Y et Z. À chaque fois que vous vous trompez dans un repère ou un truc comme ça, vous déplacez votre main suivant l'axe X, Y et Z, et à chaque fois, vous arriverez à vous y retrouver. Ce cube, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le déplacer sur les différents axes, on peut le tourner sur les différents axes. Avec les touches du clavier, vous avez la touche A, alors Z, E, R, pour choisir directement, pour pouvoir faire retourner les choses. Et sinon, vous pouvez même l'agrandir. Ok. À chaque fois que vous allez cliquer sur un objet, vous allez avoir toutes ses propriétés sur la droite, dans ce qu'on appelle l'inspecteur. Typiquement, vous allez avoir ses coordonnées. Vous allez avoir ses degrés de rotation sur chaque axe. Vous allez avoir sa taille, enfin son échelle, sur les différents axes. Vous allez avoir plein d'autres choses. Typiquement pour un meuble, on imagine qu'on a le pied du meuble, on peut avoir la couleur, on peut avoir la longueur du pied, on peut avoir l'épaisseur du pied. C'est exactement la même chose. Et après, on va pouvoir s'amuser. En fait, ce qui est bien avec Unity, c'est qu'on peut s'amuser à aller dans l'intimité petit à petit. La couleur, on peut même aller jusqu'à recoder une propre couleur et en fait, appliquer ce que l'on appelle un shader. Vous allez avoir plein d'effets qui peuvent être appliqués. Typiquement, ça peut être de l'eau. Vous allez pouvoir recoder du bruit de perlin pour ceux qui ont fait le rétresseur ou des choses comme ça. Vous allez pouvoir en fait faire des choses très généralistes, très vite, et parfois passer beaucoup de temps dans l'intimité. Le but avec Unity, quand vous avez une idée de prototype, c'est de regarder ce qui existe déjà. Parce qu'il y a souvent très peu d'intérêt de recoder la roue. Et ce qui est vraiment apprécié sur Unity, c'est que la communauté est très très grande, les tutos sur le site Unity sont relativement bien faits, et du coup vous pouvez, imaginons, là pour taper « jeu vidéo 2D parallaxe », vous tapez ça ne serait-ce que sur YouTube ou sur Unity, vous avez plein de tutos avec même des ressources pour faire votre propre jeu. Après, derrière, vous allez travailler à faire vos propres, je sais pas, on imagine le jeu Jetpack Joyride, où il faut courir, on a un petit jetpack ou un truc comme ça, vous allez devoir recoder les flammes, le fait d'avoir la physique spéciale ou des choses comme ça. Ça, vous pourrez le recoder à la main. Mais généralement, vous aurez peu à toucher au script dans un premier temps. Pour info, c'est du .NET, vous verrez, c'est super simple le .NET. Vous faites life.do.coffee et vous allez chercher le café. Je résume la chose comme ça, mais vous verrez typiquement, ça reste relativement simple du moment qu'on a compris les principes qu'il y a derrière. Bon, j'ai un super cube. Ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut s'amuser à lui changer la couleur. Changer la couleur, sur la droite, vous voyez, c'est ce que l'on appelle un matériau. De la même manière, je peux rentrer un petit peu dans l'intimité et créer un matériau. C'est-à-dire que dans mon garage, je vais aller acheter un pot de peinture. Donc ici, je vais créer un dossier dans mon garage et je vais l'appeler peinture. Normalement, je l'appellerai matériau, hein, mais bon. On va l'appeler peinture. Et je vais créer un matériau, ici. Et on va choisir de quelle couleur on veut le faire. Disons qu'on veut le faire en rouge. Donc ici, dans mon bac de peinture de mon garage, j'ai la couleur rouge. Et je peux y faire ce que je veux. On va le mettre en rouge. Il y a beaucoup de clics à la souris. Hein. Mon cube, j'ai envie qu'il prenne la couleur rouge. Je vais dessus. Typiquement, je sais pas, moi je vais chercher son matériau ici et je le fais glisser en rouge. Et là, mon cube devient en rouge. C'est aussi simple que ça, en quelque sorte. D'accord? J'ai envie que mon cube il soit sur un plan. Je vais rajouter un objet 3D. Je vais mettre un plan. Cube, plan, hop là. Une petite manipulation, je vous en parle, si vous ne le retenez pas, c'est pas très grave, qui est très 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 importante, c'est ce que l'on appelle créer des préfabs. Comme son nom l'indique, c'est des préfabriqués. Typiquement,
mon meuble marron de style baroque du 18e siècle, j'aimerais à chaque fois avoir le même dupliqué, avoir un préfabriqué. On peut imaginer ça si vous avez des voitures, vous faites un jeu avec des voitures et vous voulez mettre plein de fois la même voiture. Vous n'allez pas à chaque fois recréer from scratch une voiture. Vous allez avoir 4-5 voitures différentes que vous allez à chaque fois drag and drop et avoir tout le temps les mêmes 4 ou 5 voitures différentes. Pour créer un préfabriqué, je prends. Alors, je vais créer ici. Préfabriqué. Je crée ici ma boîte préfabriquée et je vais faire glisser mon cube. Et mon cube tout seul va devenir un préfabriqué. Ce qui fait que maintenant, depuis mon garage, je peux en mettre plusieurs. Si j'ai envie de changer la peinture parce que je fais du tuning, hop. J'ai juste à changer la peinture du préfabriqué et elle va s'appliquer sur tous les cubes. Ça évite de le faire à chaque fois à la main. Vous verrez, c'est des choses au fur et à mesure qui vous feront gagner du temps. Donc, je prends mon préfabriqué. Hop, je vais lui changer la peinture. Et la peinture se change sur tous les autres cubes. Plutôt que d'aller cliquer sur le cube, d'aller changer un à un. Okay? Vous verrez, quand vous ferez des scènes lourdes, ça sera super pratique. Bon, là c'est cool, je vais appuyer sur play. Il se passe pas méga grand chose. Parce que là, on a une scène qui est fixe. D'accord? Je vais terminer sur ce point-là pour pas non plus rentrer trop dans les détails. Ce qui est super important pour un moteur 3D ou 2D, c'est ce que l'on appelle la physique. Peut-être que vous n'aimiez pas ça au lycée. Là, les formules sont déjà préfaites. Typiquement, la physique, c'est j'ai une sphère, je la lâche, elle va tomber et elle va rouler avec une certaine vitesse, avec une certaine. C'est bon là? Normalement la qualité est un peu moins bonne, mais vous devriez avoir retrouvé du son. C'est bon? Nickel. Ok, bon. Désolé pour la qualité dans ces cas-là. Donc je disais, l'intérêt c'est surtout de pouvoir créer de la physique. Et chacun de vos objets ici, Add Component, vous pouvez rajouter des composantes. Vous pouvez rajouter de la physique, vous pouvez leur rajouter des scripts qui leur font que si vous appuyez sur la touche espace, ils explosent. Vous pouvez rajouter des animations, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. En fait, c'est votre squelette sur la droite et vous y rajoutez ce que vous voulez. Là, typiquement, on va y rajouter de la physique. Donc, je vais prendre mon cube. Je vais y rajouter un rigibody. A priori, ça devrait se trouver dans physique. Rigibody. Ici, mon cube, il va avoir une masse. Une vitesse angulaire, est-ce qu'on utilise la gravité? On peut utiliser plein de choses, typiquement détecter les collisions. On imagine que si notre cube il rentre en collision avec notre personnage, ben du coup il fait exploser le cube ou il fait exploser le personnage. Enfin, c'est un peu couillon, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous dites, lorsque je rentre en collision avec telle chose, eh bien je fais telle réaction. Okay? Je rentre pas plus dans les détails que ça. Donc en théorie, chacun de nos cubes, maintenant on le voit ici, ont un rigibody. Avant d'appuyer sur play pour vous montrer la différence, je vais organiser ma scène et je vais créer un objet vide. Un objet vide que je vais appeler Cube Family, dans lequel je vais mettre tous mes cubes. Comme ça, c'est plus propre. Voilà. Là-dedans, je vais mettre tous mes cubes. Ce qui fait que comme ça, j'ai juste à travailler sur Cube Family. Et ça me gère tout mon bloc. Pensez à organiser vos scènes comme ça. Typiquement, sur, disons, on travaille sur une voiture, on va organiser la partie moteur, on va organiser la partie habitacle, on va organiser la partie roue. Voilà. Et vous ferez différents groupes vides dans lesquels vous mettrez les roues, vous mettrez le moteur et vous mettrez l'habitacle. Le but, c'est vraiment de travailler de manière propre. C'est pour ça
que généralement sur des gros projets, on vous conseille de faire la conception avant et de regarder comment vous voulez le faire avant. Typiquement, même sur un jeu où vous avez un bonhomme qui doit passer entre des voitures, il va falloir regarder avant comment vous organisez la scène. Il va y avoir le décor d'un côté, il va y avoir les voitures qui se génèrent d'un autre, il va y avoir le personnage d'un autre. Et après, vous allez interagir avec ça. Donc on revient, normalement j'ai un rigibody sur chacun de mes cubes. Si j'appuie sur play, je vais avoir la physique qui va être appliquée à mes cubes. Donc mes cubes tombent. Alors c'est pas très très sexy, ils tombent pas en mode ils roulent et tout ça, mais c'est parce qu'ils sont droits. Si je m'amuse à modifier l'angle de celui-ci, a priori, je vais modifier l'angle de celui-ci, il va pas tomber de manière rigide, il va tomber sur la trash et retomber un petit peu sur le côté. Clac. Et là on commence à avoir de la physique. Dernier point, ce qui est super important et super bien, c'est que je peux récupérer déjà un personnage 3D, tout préanimé, avec le ZSQD, et me balader dans ma scène. Je peux poser le bonhomme et aller taper dans les cubes. Alors, je vais aller dans les assets. Vous allez vous habituer au vocabulaire. Les assets, c'est on va dire du contenu qui est déjà fourni. Je vais aller dans les assets et je vais aller chercher directement le truc qui s'appelle caractère, qui est déjà préfourni par Unity parce qu'il est super gentil. J'importe tout, qui vont se mettre dans mon garage, au milieu, et ensuite je vais choisir si je veux récupérer un personnage en mode FPS, en mode troisième personne, voilà, et après je pourrai le modifier. En théorie, il sera déjà directement animé, il y aura déjà directement la physique qui sera gérée dessus, et il pourra déjà se déplacer. J'espère que c'est pas méga long. Suite à ça, je vous lance la vidéo YouTube du 2D Parallax, et ensuite vous faites l'exemple. Et puis on aura fini pour la première matinée. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant, le temps que ça charge? Est-ce que vous avez des questions sur le chat? Non, c'est bon. On a vu un petit truc passer qui s'appelait le format .fbx. C'est le format 3D qui est utilisé dans Unity. Vous verrez quand vous importerez des modèles 3D depuis 3ds Max, depuis n'importe Blender, depuis n'importe quel modélisateur 3D, il faudra le faire en FBX. Et vous verrez qu'il y a des bonnes pratiques à avoir pour conserver les textures, pour conserver les couleurs, pour conserver les animations. C'est super relou. Donc dans mon garage, j'ai un dossier standard asset qui s'est créé, dans lequel il y a un personnage. Ah, j'ai un rollerball, a priori c'est une boule qui roule. J'ai un personnage à la première personne et un personnage à la troisième personne. Je vais tenter le rollerball. Mon préfabriqué du rollerball. Ce qui est cool, c'est que j'ai juste à le faire glisser normalement ici. Donc là, j'ai mon rollerball qui est mon personnage qui est déjà dans ma scène. Alors je vais le mettre au-dessus. A priori, il a une tête, si on regarde plus près, de balle de tennis. Voilà. On pourrait rajouter une texture. Non, c'est bon. Normalement, le stream est revenu. Je vais mettre le ventilo à côté parce qu'il n'aime pas trop la chaleur. C'est bon, nickel. Allez, on reprend. Je disais que j'avais rajouté le petit bonhomme ici, en forme de balle de tennis, directement dans les préfabriqués que j'ai récupéré dans mon garage là. Je coche l'onglet Maximize on Play, ce qui fait que quand je vais cliquer sur play, la démo va prendre tout l'écran. Parfois ça peut être pratique. Tac. Donc là j'ai mes cubes qui sont tombés. En théorie, là j'appuie sur les touches A et D du clavier, je peux diriger mon bonhomme. Voilà, vous voyez, il y a une certaine physique, alors le poids peut-être de mon bonhomme est trop léger. Donc ça va, j'arrive quand même à déplacer les cubes. Et vous voyez, ça nous a. Bon, il est tombé dans le vide intersidéral, hein. Il faudrait mettre des bords. Mais vous voyez, en quelques secondes. On va dire en quelques minutes, on est capable déjà de faire une démonstration. Ça peut être super pratique pour tester des concepts. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors le raccourci pour la rotation et tout ça, de mémoire, c'est ZER. Non, tu Z c'est pour déplacer, E c'est pour la rotation et R c'est pour rescaler. De mémoire. D'autres questions? Non? Allez, on va lancer la vidéo.
Vous me dites sur le stream si vous avez le son de la vidéo. Thanks for tuning in at Brackies. Hello everyone and welcome to the third video in the How to Make a 2D Platformer course. Today we're going to be taking a look at how to achieve the parallaxing effect that you see in most modern 2D games. So parallaxing basically means that the foreground and the background will scroll at different speeds, which will allow us to create depth in our game. And when I say depth, many people get confused because they say, well, it's a 2D game, how can you have depth? And it's true that we aren't actually creating depth because we are using an orthographic camera, which before it renders stuff will align everything on the same point on an axis, but it will allow us to cheat a bit when we see them scroll at different speeds in relation to the camera. So please bear with me. Once you see it working, it shouldn't be that difficult to comprehend. Awesome. Before I get started, I just want to quickly say that I'm looking for someone to do the character design because I'm not that great with drawing. I mean, the environment in itself was challenging enough. So if you are good with a pen in any way or just up for a challenge, please write to me. The email and subject line is on the screen, or reach out to me at Twitter, at BrackiesTweet, or on my personal Facebook, which is in the description. Cool. So that was the longest intro yet. I think let's now get started. So as always, I've opened up Unity. And right now when we hit play, une autre disposition, you will si notice regardez, that everything lui, moves il a la scène in sur the la same gauche, speed. And this is not il a really le something visuel au milieu, that et we en bas, would il a like. Le garage. So let's go ahead and change this with the script. Et à droite, l'inspecteur de so this is going to be our first script in this series. And please note that this is not the easiest script. If you have never coded before, maybe check out the Mega Game course or the Going 2D one. So we're gonna go ahead and create a new game object. It's gonna be an empty game object. So let's press Control Shift N. And let's rename this to underscore GM. The underscore will make sure that it's always at the top of the hierarchy, and then GM for Game Master. I like to center this just so we know where it is. And now let's hit add component, new script, and then change the type to C sharp. And let's rename this to parallaxing. Yeah, so now hit create and add. And now we can double click it to open it up in Mono Develop. So Mono Develop is Unity's built-in script editor, but feel free to use anything you want. Whoops. Let's try and open this up again. There we go. It's Unity's built-in script editor. Mono Develop does a lot of other stuff. It's great for C-sharp, I find, especially with the new version. It's also gotten a lot prettier with Unity 4. But you can also use stuff like Notepad++, or Visual Studio. Yeah, so feel free to choose whatever you need. Cool. So now let's go ahead and first off declare some variables. So we're going to keep the start and the update functions because we're going to need them in just a sec. So first let's create an array that will store all of the elements that we need to apply parallaxing to. So we're not gonna apply parallaxing to the middle where our platforms are gonna be and where we're gonna have all the gameplay stuff. That would be way too complicated. We're only gonna apply parallaxing to the background and the foreground. So now let's create a public transform. And to make an array, meaning a list of objects instead of just one single object, we're gonna do an open and close square brackets, and now we can name it. So now we can just do, let's just do backgrounds for short, and close it with a semicolon. This is also gonna store foregrounds, but else we would have to do elements, and yeah, backgrounds is just simpler. So this is our array, meaning a list of all the back and foregrounds
to be parallaxed. Awesome. Now let's create a private float, and this is also going to be an array. That I've got to store all of the parallax scales, meaning the proportion of the camera's movement to move the background spy. And we're going to automate this so that we don't have to apply a value for each one of these elements, but we can simply just move them back and forth and on the z-axis, and then the script will take care of everything for us, so we don't have to guess how far it's gonna back it's gonna be. We can simply move it on the z-axis. So to do this, we are gonna have a list of the object scales. So let's call this parallax scales. You could also call it amount of parallaxing or whatever you want. I'm gonna call it scales. And this is again the proportion of the camera's movement to move the background's by. Awesome. Just under this, we are going to do public float, and this is just a symbol float value, not an array. And we're going to call this smoothing. You could also call it parallaxing amount, because it's pretty much what it does in reality, but in theory, what it does is smooth it. So this is how smooth the parallax is going to be. Make sure to set this above zero, or the parallax in effect will not work. So by default, let's set this to maybe 1, just to make the effect really apparent. Cool, so that was it for our top variable declarations. Now let's do a private transform. And we're gonna call this cam. And this is simply just a reference to the main camera's transform. It's general good practice to store this camera transform. Là aussi, vous verrez, c'est super important. C'est la caméra qui va se déplacer, qui va filmer au fur et à mesure le jeu 2D. D'accord. Et le transform, c'est les coordonnées de cette caméra lorsqu'elle va se déplacer. C'est aussi très important pour l'effet de parallaxe. Cool. And then we're gonna do a private vector 3, meaning a tuplet, meaning a x, y, and a z value, and we're gonna call this previous cam position. And vector 3, vous l'aurez compris, c'est trois flottes x, y, z. Typiquement, dans un transform, on a trois vecteurs 3. Un vecteur 3 pour les positions, un vecteur 3 pour les rotations, un vecteur 3 pour les mises à l'échelle. The calculation of parallaxing, and the calculation itself is not something you need to understand. It can be hard to wrap your head around, but please just write this after me, and we'll look into understanding it further later, or you can always look up the effect. Cool. So now let's create a void awake function. Whoops. Awake. And let's open up some square brackets here. Oh, not some square brackets, curly brackets, I mean. There. Cool. And the reason why we have both an awake and a start function is because I wanted to explain to you the difference of the two. So the awake is called before start. And what it does is it will call all the logic before the start function, but after all the game objects are set up. This means that it's great for assigning variables like the camera here, so just assigning references between scripts and vous avez compris objects. Le moment so, auquel awake était appelé. En fait, on vous a menti, start, c'est pas la première references. Fonction qui est appelée. La première, c'est awake qui est appelée. I tried to comment out a lot of the code I write, both so you can read it afterwards, and also just so you can quickly look back if you don't get my verbal explanation. Et ensuite, awake, so I hope that's okay. Et il dit c'est cool pour initialiser les variables. Now we're going to set up the reference.
The camera reference setup camera reference, and we do this by writing cam equals camera dot main dot transform. We could of course just make this a public transform and then drag in the camera inside of Unity, but this way we just select the main camera much more easily, and we make sure that we always remember to do this. Ce truc un peu chelou pour les Tekken de voir des points un peu partout qui se suivent. Awesome. So the start camera, c'est un objet qui est déjà fourni. Main, ça veut dire que c'est la caméra qui est considérée la caméra principale par Unity. Ça tombe bien, il y en a qu'une. Et point transform, ça permet d'accéder à caméra principale et les coordonnées de cette caméra principale. Donc directement, il met ça dans la variable transform et après il peut jouer avec. Frame had the current frames camera position. So we're gonna do previous campus equals cam dot position. So this way we assign the previous cam position to the position of the camera when starting out. And again, please just ignore this. That's just something we have to do. And then what we're gonna do now is we're gonna loop through, meaning that we're gonna take the backgrounds list here. It's technically an array, but I will call it list. And we will take every element in it. We'll say, hey, you're an element. And then we will assign that element a parallax scale. So basically what we'll do is we'll say that the parallax scales list is gonna be just as long as the backgrounds. And then we're going to loop through all of the backgrounds and assign their Z value to the parallax scales. So we're going to do this in the start function. And what we're going to do is we're going to type parallax scales. Why is this not working? Let's try this again. Parallax scales. Il a pas compris que c'est parce qu'il a mis deux zéros. Equals. I forgot to write this with two L's. So let's try this again. You were probably thinking this all along. Parallax scales equals new float. And remember the two square brackets. C'est mal, ok, si vous n'avez pas l'habitude. Voilà. C'est jaloux un tableau dynamique. Ça, c'est cool. Vous n'avez pas l'habitude d'un film, mais vous allez un tableau dynamique. De plusieurs flops. Et vous allez pouvoir y push des nouvelles valeurs tranquillement ou en retirer tranquillement. Awesome. So whatever we reset the backgrounds to be, we are going to get the length here. And then we're going to loop through them. So four. Background.length, c'est tout seul, il est capable de lire combien vous avez d'éléments. Length, c'est, on va dire, compter le nombre d'éléments dans un tableau. Donc là, il est capable tout seul d'allouer dans parallax scale le nombre de floats égal à la taille du tableau qui contient les fonds d'écran, les backgrounds. Cool. So, what we're doing here is we are using a for statement to iterate through. And what we do is we make a variable called I, and we set this equal to 0. And we say that as long as I is less than the length of the backgrounds, we're going to keep on going. And every time we have looped through this, we are going to set we are going to increment I by 1. This will be called as many times as the background.length is long. And what we can do in here is we can set the parallax scales. And then inside the curly brackets, we're going to do I equals backgrounds. And then inside the curly brackets, we're going to do I again, dot position dot Z. And then we're going to do times minus 1 just because that's something we need to do. You don't need to worry about that. Just make sure that the times minus 1 is in here, or we're going to get the opposite effect of what we want. So what we're doing here, again, to summarize it, is we are making sure that our parallax scales list is just as long as the backgrounds. Then we are going through each background, and we are assigning
that background set position to the corresponding parallax scale. Awesome. Là, vous avez dû comprendre, il va parcourir chacun des, on va dire des fonds, des différents fonds, et il va placer des valeurs dans la variable parallax scale à chaque fois à 1 de moins, ce qui fait qu'on va avoir des couches qui vont être séparées de la même distance l'une à l'autre. Parallax scales. Cool. Then in the update function, we're going to get to write the actual logic here. So what we're going to do is we're going to write another for statement. So for each background, we're going to do this. So for int I equals 0, I is less than backgrounds dot length I plus plus. So that's the exact same statement as up here. We're simply looping through the backgrounds and then the curly brackets. And in here, we're gonna first offset, say that the parallax is the opposite of the camera movement because the previous previous frame multiplied by the scale. So we are saying float parallax equals previous cam position dot x minus cam dot position dot x times the parallax. Vous avez vu du coup comment il accède cam.position.x et là il va accéder à la variable x. Pour les premières années, vous n'avez pas du tout l'habitude de ce type d'écriture. So what we're doing here is we are saying that the parallax in effect should be the difference between what our camera's position is now and what it was before, meaning how much is moved. And then we are gonna time this by the amount we want the parallaxing to be. So the z value of the background. That's basically all we're doing. We are taking the movement and we are applying it to a value and multiplying it by the scale. Awesome. So what we can do now is we can here we can set a target x position which is the current position plus the parallax multiplied, let's just forget that, plus the parallax. Awesome. So we're gonna do float background target position x, so we're making a new variable here, equals backgrounds of y of I dot position. Il va utiliser la variable préalablement calculée par Alex qui va être différente suivant, on va dire, le fond sur lequel on est et qui va le faire avancer en quelque sorte plus ou moins vite pour donner ce fameux effet parallax. Au fond, ça avancera plus lentement que devant qui avancera plus vite pour donner cet effet de profondeur. In this variable, we are storing the position of the background plus the parallaxing. That's all we are doing. And then next up, we can create a target position with the actual x position and the actual y position. So we can create a vector 3 here. So let's do create a target position which is the background's current position with its target x position. So we're doing vector 3 background target. Et quand avec nos doigts on fait comme tout à l'heure x, y et z, on comprend bien que le x, c'est ce qui nous intéresse à chaque fois. C'est, on va dire, l'endroit sur lequel le bonhomme se déplace. Le y, ça sera s'il saute, mais le x, c'est sur le truc sur lequel il se déplace. And then we're just setting it to the y and the z of the background. So backgrounds I dot position
.y and backgrounds I dot position dot. Là c'est chelou, il dit la nouvelle position du fond d'écran, ça va, il va récupérer le même Y, il va récupérer le même Z, puisque ça on s'en fiche, et par contre il va mettre le nouveau X qu'il a calculé pour faire que l'écran se déplace, enfin que le background se déplace d'une certaine manière. Tout à l'heure vous allez voir, il va faire un exemple et vous allez comprendre tout de suite. Alors on ne vous demande pas de retenir les calculs, ça vous pouvez les récupérer, mais au moins de comprendre pourquoi on fait se déplacer plus ou moins vite les fonds. Mais vous le verrez tout à l'heure, il va faire un exemple. Up and down, I think that we will leave this out so far and then maybe add it in later. That's a challenge for you. If you can figure this out on yourself, please go ahead and try it out. But it's not something that we are going to add right now. I think this is more than plenty, and I know that this is maybe too difficult for some of you, but please note that you can of course get this script from brachius.com should you be lost, and definitely not all of the coding that we are doing is going to be this hard. This is pretty much the peak, I hope. Cool. So then we are simply going to lerp, meaning fade, between the background's position and the new target position. So fade between current position and the target position, using what is called lerp. And we do this by saying background. Je rentre pas dans les détails sur lerp, mais fade, c'est pour éviter d'avoir, on va dire, à chaque fois que ça se déplace par cran, ça fasse tac, tac, tac. Le fade, ça va faire un effet tout à fait lisse de transition. Parce que typiquement, si vous avez un FPS un peu pourri, que vous avez 10 FPS, ça va se voir du coup. Allowing us to fade between positions, and that's really awesome. So inside of this, we're going to fade between the backgrounds. Et là, vous voyez, update. Il va y rentrer autant de fois que de FPS. Vous avez 100 FPS, il va rentrer dans l'update, il va l'appeler 100 fois par seconde. Si vous faites des choses super lourdes, genre déclarer des trucs de taré dedans, ça va faire ramer au taquet le jeu et donc ça va baisser le FPS. Using the smoothing effect, times time dot delta time. And time dot delta time is hard for some to understand, but basically all you need to know time, c'est pareil, c'est pour éviter d'être cadencé par rapport à la vitesse du processeur. So instead of ça fait qu'au lieu d'y rentrer 10 millions de fois, si le processeur va très très vite, il va à chaque fois y rentrer le bon nombre de fois du FPS que vous voulez mettre à votre jeu. Si vous mettez 32 FPS, typiquement, que vous êtes sur un PC pas trop puissant ou sur un PC ultra puissant, il va rester sur ce FPS-là. Automatiquement, il va cadencer tout seul. Then pareil, je ne rentre pas dans les détails. When we get out of this for statement, we are going to set the previous cam position to the camera position at the end of the frame. So we're going to set the previous campus to the camera's position at the end of the frame. And we could do this by previous cam position. Donc dans le for, il va faire se déplacer position les fonds du jeu. Ce qui est rigolo, c'est qu'avec une petite image, on va avoir un fond de taille, enfin de longueur infinie. Hein. On peut imaginer avoir un fond infini avec une petite image okay, qui va so se déplacer en permanence. Et ensuite, lorsqu'il a fini ça dans le for, so il va utiliser, il va travailler directement sur la caméra. Et là, après, il va faire se déplacer la caméra pour que le jeu scrolle tout seul. This might be the first time in tutorial history that anyone has done parallaxing without errors. Something has got to be wrong, but let's try this out. So what we can do now is we can actually set this up. And if you've downloaded the script, this is where you should tune in, because now we're going to actually achieve this effect. So let me just check how long we've been recording here. Wow. Okay, so this sure was a long one. Might need to split this up. Cool. So now on this parallaxing script, you can see that we have an array here, which we can adjust the size of. We're going to set this to 3, because we want both the background mountains, blue and purple. Là, pour le coup, il va dire, il a créé le petit tableau, parce que dans un script, quand vous mettez une variable avec l'attribut public, elle apparaît directement dans l'inspecteur, ce qui fait que vous pouvez modifier à la main les variables qu'il y a dans votre code. Ça, c'est cool. Il va dire, OK, je vais mettre mes 3 couches de fond, et après, ces 3 couches, on demande des transforms. Donc, il va falloir passer les éléments transforms de chacune des 3 couches. Et ensuite, il va travailler tout seul sur ces 3 couches-là. Vous allez comprendre tout de suite.
down a bit later because this is going to be a bit too crazy, I believe. Awesome, so now let's just add the different elements, and it doesn't really matter which order they're in. So just drag in the background mountains purple, the background mountains blue, and the foreground dirt. And we're going to hit play. And you're going to notice that this is not at all working. And that's because we have to also adjust the Z position. And this is the really cool thing about doing it this way, with all the arrays and stuff, is that we can actually just... Là, il n'y a pas des masses d'effets puisqu'ils sont tous sur la même coordonnée Z. D'accord? Donc, il va déplacer les différentes couches. We're going to move this almost as far back as the blue background, just in front of that. And we're going to take the purple one and we're going to move it also pretty far back, but a little less. So something like this, I believe, would look pretty nice. And then we're going to take the foreground dirt, and let's just see where is our camera. It's there. You can, of course, view this from the left side if needed. I'm going to do that. And we're going to just move this over. If you click on this cube, we're going to change... Whoop, that's not going to work. Never mind. Okay, so let's just move this over so it's not behind the camera. It will not appear, but just in front. And let's hit play and see how it works. So now when we move, the layers will move accordingly. And this actually looks really cool, I think. This gives it a really nice effect. You can see that our foreground is moving faster than the middle here. And the background is, of course, moving slower. So that's awesome. And we still have a little bit of parallaxing occurring between the two background layers, which is pretty awesome. So I might go ahead and bump this effect. Cet après-midi, le but, ça sera que vous essayiez de faire ce genre de choses. Je le partagerai aussi sur Yammer et je vous partagerai le lien de toutes ces ressources de cette vidéo. Ce qui fait que vous pourrez directement travailler sur ces backgrounds et essayer de refaire la même chose. Déjà dans un premier temps pour voir comment ça fonctionne et après mettre les backgrounds que vous voulez avec du Super Mario, avec du Angry Bird, avec du Jetpack Joyride, comme vous voulez. But in order to change this, you can just change the smoothing and then simply adjust them afterwards. So let's try setting the smoothing to 10 just to see how it looks, and this is going to be pretty extreme. You can see this is what parallaxing does when it's way too high. Là, ça fait un peu, that does doesn't look nice at all. But maybe something like, let's try 0.5. Ouais. That's too subtle. Let's actually try maybe 2. And again, just play around with this until you find something that works. This is too extreme. I think I'm just going to go with one. C'est super pratique d'avoir mis la variable smoothing en public. Ça évite à chaque fois de retourner dans le code et de devoir remodifier, etc. Donc là, il la met en public et il la modifie directement. Encore mieux, il peut la modifier, comme on dit, au runtime. Il peut la modifier pendant que c'est exécuté et voir ce que ça donne. Allez, on va arrêter là pour la vidéo. J'espère que c'est clair pour vous. Vous avez des questions sur ça? Ça vous paraît... Ouais. Alors, la question c'est, est-ce qu'il fait un projet 2D ou 3D? Il fait un projet 3D. Voilà. Généralement, même quand on fait des jeux 2D, on utilise souvent des projets 3D. En tout cas, pour avoir tout ce panel de parallaxe. Après coup, Unity a développé la partie 2D. Ouais. Mais de manière générale, vous faites des projets 3D. Comme ça, vous vous obligez à travailler sur l'axe Z et c'est super intéressant, il y a pas mal de choses à exploiter. Ouais. La plupart des jeux vidéo sont quand même faits avec un moteur 3D. Oui. Mais tous les scrollers modernes sont faits avec un moteur 3D, même si c'est un jeu 2D. Parce que pour les effets d'explosion, pour plein d'effets, pour même ne serait-ce que pour les cinématiques, de plus en plus maintenant, pour démontrer les moteurs, la puissance d'un moteur 3D, on fait les cinématiques avec le moteur 3D et pas avec, on va dire, des trucs de cinéma. Typiquement, Unity, vous regarderez par curiosité le Adam Demo. C'est un film, une vidéo faite uniquement avec le moteur Unity. Avec les robots. Unity a souvent été décrié pour faire des jeux vidéo à la va-vite, pas du tout que l'on appelle triple A, c'est-à-dire de très haute qualité, alors qu'ils ont voulu prendre complètement le contre-pied en montrant, regardez Adam Demo, ce que l'on peut faire avec notre moteur et comme c'est fluide. Ok. Troisième et dernière partie, je vous laisse la place.
Je vous lance juste votre petite démo. Hop. On retourne sur Unity. Si vous avez des questions sur le chat YouTube, vous n'hésitez pas. D'ici un petit quart d'heure, normalement, on a terminé pour la journée. D'ailleurs, j'en profite, ce qu'il y a derrière, l'hologramme aussi. C'est fait sur Unity. C'est fait en quelques clics. Allez, messieurs. Bonjour à tous, nous on va vous présenter un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment mettre en place un jeu de dés. Donc vous montrer un peu les best practices de tout ça, vous montrer les différents outils qui permettent de faire ça, en plus du coup du code que vous avez vu, du parallaxe, etc. Donc du coup pour commencer, vous pouvez voir ici là on a notre petit personnage, comme sur la vidéo que vous avez vu tout à l'heure, donc qui peut sauter, etc. avec le petit parallaxe derrière et tout ça. Du coup, petit truc très très intéressant sur Unity, en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui s'appelle les layouts, les layers, pardon, excusez-moi. En fait, si vous voulez, donc on a des sprites 2D, donc tous ces petits sprites là, et on aimerait bien pouvoir gérer typiquement sur quel plan ils vont s'afficher, comment l'ordre d'affichage, pour pas avoir en fait des sprites qui vont se monter sur la gueule ou des trucs comme ça, où on va avoir des trucs qui sont pas forcément super jolis. Donc typiquement, si jamais on vient sélectionner notre plateforme, par exemple ici, on peut voir en haut là, je sais pas si vous voyez bien ma souris, il y a un petit truc qui s'appelle le layer. Et il y a layer par défaut, ce genre de choses là. Du coup, on peut modifier, rajouter nos propres layers pour donner un ordre de préférence d'affichage, etc. Et ensuite dans ce layer là, grâce à un petit truc qu'il y a dans l'inspecteur qui est ici, dire par exemple, je veux qu'il s'affiche tout devant, ou je veux qu'il s'affiche tout derrière, etc. Hop. En donnant du coup des... Tu veux que je mette les mêmes vertus ? Ouais, hop. Ouais, ça marche bien comme ça. Voilà. Donc du coup, en donnant des petits ordres. Par exemple, ici, on peut voir que ma petite plateforme est passée de tout devant à tout derrière, juste en modifiant ces quelques trucs-là. Hop. Donc... ça c'est vraiment super important quand vous avez du coup des sprites qui sont les uns sur les autres, pour pouvoir du coup ordonner un peu ce que vous allez faire, pour savoir un peu comment est-ce que vous allez organiser votre scène, qu'est-ce que vous allez mettre dessus, etc. etc. En plus de tout ça, petit truc aussi très 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 intéressant, c'est en fait la gestion de collision sur Unity. Donc c'est à dire que là typiquement ce qu'on a c'est un petit personnage, okay, qui se balade sur des sprites en 2D. On peut se demander un peu comment ça peut marcher, la gestion de collision sur tout ça. On peut se dire comment est-ce qu'on peut faire pour que sur un espèce de sprite comme ça, qui est juste une image en soi, il puisse trouver sur quoi est-ce qu'il doit s'arrêter, etc. Donc pour faire ça, en fait, on peut rajouter des components. Donc là, en l'occurrence, un box collider 2D. Donc tout simplement, vous pouvez aller dans Physics 2D et vous voyez ici, il y a le box collider 2D. Vous pouvez rajouter ça, définir une taille dessus. Donc pour du coup le scale comme vous voulez, l'adapter à votre texture, etc. etc. Donc ça c'est des trucs qui sont vraiment super importants à comprendre en soi pour dev un petit jeu 2D ou pour même dev n'importe quoi sur Unity, parce que c'est un peu la base, la gestion de collider, donc du coup pouvoir avoir une espèce de petite gestion de collision, la gestion des layers, etc. parce qu'en fait ça sert vraiment à faire plein de choses, donc gardez-le en tête, ça peut être vraiment très intéressant. En plus de tout ça, Unity propose un truc plutôt sympa qui est en fait, si jamais on va du coup choper un petit sprite, qui est en fait un éditeur de sprite qui peut être vraiment intéressant en fait pour quand on a un sprite sheet, pouvoir le découper un peu comme on veut. Donc vous voyez ici là sur le sprite qui est fourni avec la vidéo, on peut aller sur le sprite editor et modifier un peu tout plein de trucs. Donc c'est à dire on peut en fait découper notre sprite sheet, etc. et à la fin en fait avoir toutes les images découpées les unes après les autres, et tout ça on peut l'éditer directement ici. Donc vous voyez typiquement ici je peux cliquer sur ma petite plateforme là, dire en fait maintenant mon sprite je veux qu'il soit comme ça, qu'il soit tout petit ou plus gros, etc.
On peut faire tout plein de choses à ce niveau-là et donc du coup fournir à Unity directement des énormes palettes, enfin des palettes de sprite kit et les modifier directement sur Unity. Du coup, une fois qu'on les a modifiés, ça nous donne un truc plutôt sympa. Hop là, ça nous donne en fait ça. Le truc que vous avez là dans votre garage, là, du coup, ça vous donne tous les sprites découpés les uns avec les autres. Unity est vraiment fort pour faire ce genre de truc. Et donc, du coup, profitez-en vraiment beaucoup. C'est vraiment quelque chose de super sympa. Ouais. Du coup, maintenant, on va vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut faire de la 2D, mais avec de la 3D. Un truc un peu spécial, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Donc, du coup, ce qui est possible maintenant avec Unity, c'est au lieu d'avoir une gestion de sprites et de limiter le moteur à des sprites 2D, on peut utiliser des modèles 3D et leur appliquer une physique de 2D. Donc on vous a préparé, où est-ce que c'est, la scène. Hop. Voilà. Voilà, donc ça c'est une scène 3D. Et on a appliqué à notre personnage une physique 2D, c'est-à-dire que quand on lance la scène, le personnage doit pouvoir se déplacer uniquement sur un axe, donc là c'est l'axe des X et l'axe des Y bien sûr pour sauter. Et là du coup, par le moteur 3D, le parallaxe se fait tout seul, c'est-à-dire en fonction de la distance de l'objet, etc. Vous voyez que par exemple là on a mis un modèle de Capitole et le modèle de Poel devant, le parallaxe se fait tout seul parce qu'ils n'ont pas, même axe Z. Du coup ça, comment c'est possible sur notre personnage, hop, si on le sélectionne, on voit que dans le... Alors, où est-ce que c'est ? Dans les contraintes du rigid body. C'est les contraintes, voilà. Dans les contraintes du rigid body, on peut dire quels axes seront figés et pas modifiables par les scripts de mouvement. Et donc, on peut freeze des rotations et freeze des positions. Donc là, on fixe juste la position Z. Et comme ça, lors du mouvement de notre personnage, eh ben, celui-ci ne pourra pas se déplacer sur cet axe-ci. Mais on pourra placer des objets tout autour. Du coup, ça permet vraiment d'avoir un jeu totalement 3D avec, voilà, avec des animations propres, etc. Mais avec une physique 2D. Essaye de même freeze vers ce Z pour montrer. Ouais. Alors. Tac. Voilà. Et là, par contre, on pourra se déplacer comme ça dans la map si on freeze pas. Ouais. Voilà, du coup c'est vraiment, on peut faire deux types de jeux 2D avec Unity, c'est-à-dire utiliser tous les assets 3D et freeze les rotations, soit utiliser directement ce qui est prévu pour, c'est-à-dire les sprites, et faire un jeu totalement 2D avec une physique 2D. Voilà. Merci. Avec plaisir. Alors, pour conclure la matinée, je vais vous envoyer sur Yammer directement toutes les ressources 3D pour faire vous-même votre propre jeu en 2D parallaxe, celle qu'on a vue sur la vidéo en l'occurrence. Cet après-midi à Toulouse, en tout cas, on va passer 3-4 heures justement à essayer de lancer les jeux 2D. Les gars du groupe Game vont tourner, je vais tourner et le but, ça va être de poser des questions. Vous pouvez poser aussi vos questions sur Yammer, je vais ouvrir un thread directement dans le Yammer Hub qui s'appellera Unit Week, ça sera plus simple. Je vous fournis tout ça d'ici 5 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Pour les retransmissions, vu qu'il y a eu une coupure du stream, je vais voir pour agréger les deux vidéos, sinon ça sera découpé en deux petites vidéos. Et puis voilà. Demain, vous aurez un Texain qui viendra vous parler de l'optimisation graphique, ça sera un peu plus tech. Je lui ai demandé de vulgariser au maximum, je pense qu'il fera l'effort. Donc on va espérer que ça soit le cas. Globalement, comment on fait pour passer d'un jeu de 20 FPS en multipliant par 10 ou par 20 son FPS uniquement en déportant les calculs sur la puissance graphique plutôt que sur le processeur. Vous verrez, c'est super intéressant, ça peut beaucoup servir, ça peut beaucoup servir dans plein de cas. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, au revoir.